pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai moi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Ça y est, j'ai trouvé. Dans ma tête, je pense très fort à un mot qui commence par un M. Une fête foraine. Mais non, ça ne commence pas du tout par un M. Je sais, Microbe, regarde, une fête foraine. Je veux y aller. Vite, je peux, je peux. Avec le bulletin de notes que tu nous as rapporté, c'est absolument hors de question. Émile est un élève attentif et discipliné. Ce trimestre, son travail est comme toujours très appliqué. Félicitations, je suis fière de toi. Lucas, où est ton carnet de notes? Aucune idée, j'ai dû le perdre en revenant de l'école. Ne t'en fais pas, je l'ai retrouvé. Regarde, il était malencontreusement tombé dans la poubelle. Lucas est un petit diable qui n'écoute rien et oublie ses devoirs. Cette fois, je n'hésiterai pas à le qualifier de cancre 5 de moyenne. Ton bulletin de notes est encore plus mauvais que les précédents. Oh, j'ai battu mon propre record. Je ne crois pas que tu mérites de récompense. Il n'y a que les enfants sages qui ont le droit d'aller à la fête foraine. Maman, j'ai été sage, moi. Je peux y aller. Bien sûr, mais plus tard, mon petit ange. C'est pas juste. Je veux aller à la fête, je veux y aller. Lucas Lacata, des témoins ici présents vous accusent de faire bêtise sur bêtise et d'être insupportable. Membre du jury, pensez-vous que Lucas mérite d'aller à la fête foraine? Non! Un jour, il a fait exprès de laisser mes crayons de couleur sur le radiateur pour qu'ils fondent. Il a déclenché l'alarme incendie de l'école primaire. Il a vomi tout son déjeuner sur ma moquette toute neuve. Eh ben moi, il m'a dit que j'étais super... super débile. Ça suffit! Lucas, je vais rendre mon verdict irréversible et sans appel. Je décrète que tu n'iras jamais de ta vie à la fête foraine. Oh non! Je promets d'être sage. Je promets d'être sage. Eureka! J'ai trouvé! Je vais être sage! Parce qu'il n'y a que les enfants sages qui ont le droit d'aller à la fête foraine! Pose-toi, Microbe! Papa et maman prennent leur petit déj au lit. Mais d'habitude, c'est moi qui leur apporte leur petit déjeuner! J'ai été plus vite que toi, Tortue! Oh, je suis sûre que tu as versé quelque chose de dégoûtant dans leur verre, c'est ça? Non! Ouvre-moi la porte! Ne t'embête pas, je vais leur donner leur plateau. Hors de ma vue! Laisse-moi passer, je te dis. Oh, Lucas, tu es insupportable. Va chercher une éponge et nettoie tes bêtises. Quoi? Papa, je peux venir avec toi? J'adore t'accompagner au supermarché. D'accord, saute dans la voiture. Sors de là! Mais c'est pas juste! Pourquoi Émile, lui, il pourrait aller faire des courses et pas moi? Parce que je me souviens parfaitement de la dernière fois où je t'ai emmené au magasin. Oh, ça non, c'est un accident! Je serai sage, je te le promets! J'ai envie de me rendre utile! S'il te plaît! Des tomates et de la salade. Allez, lâche-le, papa. Dis que c'était moi qui devais pousser le chariot. Oui, mais tu l'as déjà fait la dernière fois. Papa, Lucas est méchant avec moi. Lucas, si tu es insupportable... Non, t'inquiète pas, je le laisse à Émile. Arrête, ne cherche pas. Répète un peu ça. J'ai dit qu'il pouvait pousser le chariot, ça ne me dérange pas. Lucas, tu es sûr que tu te sens bien? Ça va? Oui, très bien, merci. Bon,
Tant mieux. C'est parfait. Absolument parfait. Oh là là, être sage, ça demande beaucoup trop d'efforts. J'hésite. Je prends la soupe poireau brocoli. Oui, si tu veux. Mais la préférée de maman, c'est celle au navet trois épices. Ah. Lucas, tu vas chercher les haricots? J'y vais, je sais où ils sont. Non, oh, c'est bon, t'inquiète, je m'en occupe. Ah. Eh ben... Quelle belle pyramide bien rangée! Non, ne fais pas ça! Oups, oh, j'allais oublier. Oh! Lucas, qu'est-ce que tu fabriques là-haut? Descends tout de suite de là! Ne te fais pas de soucis, j'ai les haricots! Oh! Oh! J'ai réussi à sauver ma boîte! Les enfants! Émile, tu peux... Mettre la table! Oui, avec plaisir! Pourquoi ce serait lui? Moi aussi j'aimerais le faire de temps en temps! D'accord, Lucas, tu as ma permission, mais fais attention de ne rien casser! Mais d'habitude, c'est toujours moi qui le fais! Tu voudras... Merci beaucoup, Émile. C'est gentil, tu es adorable. Lucas, tiens-toi correctement, s'il te plaît. Mais maman, je me tiens déjà correctement. Ah oui? Mais c'est vrai. Alors mastique bien et n'avale pas tout rond. Mais je n'avale pas tout rond. En plus, j'ai fini mes carottes. C'est un miracle! Tu es incroyablement sage aujourd'hui, Lucas! Maman, moi aussi, j'ai mangé toutes mes carottes! Mouah! Aïe! Émile m'a donné un coup de pied! Émile! Ça y est, je sais pourquoi tu fais tout ce cinéma! Si tu es sage, c'est seulement parce que tu veux aller à la fête foraine! Mais je te préviens, ça ne marchera pas, tu vas voir! Ah non! Non! Non, parce que je sais bien que tôt ou tard, tu finiras par faire une catastrophe. Et oui, comme d'habitude. Morveux! Rassure-toi, je ne t'en veux pas. Maman, est-ce que je peux t'aider à faire du jardinage? Toi? Mais pourquoi? Pour te rendre service, voyons. Eh bien, j'ai quelque chose à faire, mais c'est pas très agréable. Si tu veux me rendre service, mets-en sur les roses, ça les rend plus belles. Patauger dans le caca. Pouah, j'espère que je serai récompensée. Ah, ennemi, droit devant. Retourne chez toi, Salomé. Appelle-moi capitaine, Salomé. Prépare-toi à la bagarre. À l'abordage. Rends-toi, espèce de ver de terre. Bon, d'accord. Quoi? J'ai dit d'accord, je me rends. Non! Tu dois d'abord te battre. Comme ça, on pourra t'attacher comme un saucisson et te faire peur. Et ensuite, tu auras le droit de te rendre. J'ai pas envie. Oh, t'es vraiment pas marrant aujourd'hui. Viens, Émile. On va jouer au papa et à la maman avec mes poupées. Hé, attends. Reviens, ton rôle, c'était de chercher la bagarre. Bien essayé, microbe. Tu n'oseras jamais. Lucas? Oh oh. Mais enfin! Voyons, qu'est-ce qui t'a pris? Pardon maman, mais si j'ai fait ça, c'est parce que Lucas ne veut plus m'embêter. Émile! C'est l'excuse la plus tirée par les cheveux que j'ai jamais entendue. Lucas, j'ai changé d'avis. Tu as la permission d'aller à la fête foraine. Ouais! Je ne sais pas quoi choisir, les tasses qui tournent ou la croisière sur l'île enchantée. Ton frère a été tellement sage aujourd'hui que j'aimerais que ce soit lui qui choisisse dans quel manège on va monter. Oh. D'accord, je vais choisir. Ah, oh, c'est vraiment gentil de ta part de m'avoir laissé la place devant, Lucas. Dis-moi, ce n'est pas un manège qui fait peur, n'est-ce pas, Lucas?
Non, en tout cas, moi j'ai pas peur dedans.